Salut les footiques, aujourd'hui jour très important, je vous avoue que je suis dans un stress et dans une pression de fou. Je pars pour regarder le match Algérie-Côte d'Ivoire, bien sûr, le match de quart de finale de la CAN. On va savoir lequel de ces deux grands favoris va se qualifier pour les demi. J'ai mon petit porte-clés porte-bonheur, j'ai mon écharpe au cas où on gagne. Et bien sûr, le petit brassard pour s'éponger le front, car Dieu sait que quand c'est l'Algérie qui joue, c'est très intense, c'est très sportif. Je suis en retard, il est plus de 5h30, le match commence dans à peine 20 minutes, je vais prendre mon vélo et je vais tracer. J'ai pédalé comme une ouf pour arriver à temps, mais il est déjà 18h09, donc je speed. Je speed au café, j'espère qu'il n'y a pas eu de but. Je vois que les Algériens sont en nombre. Alors, gros bazar à l'entrée de l'endroit où je devais regarder le match. Comme d'habitude, on dirait l'entrée du consulat, quoi. Thank you.
c'était plus fort. Maman, je t'aime. Je te l'ai jamais dit, mais aujourd'hui c'est compliqué parce que là on est dans la merde. Ok? Donc si jamais il m'arrive quoi que ce soit, je t'aime, ma chérie. Il y a danger, on est en danger.
Maroc, quel qui le dit. Thank you.
J'ai pas pu vous faire la conclusion de cette vidéo à l'extérieur, j'avais plus de batterie. En tout cas voilà, c'était incroyable. Et bravo aussi aux Ivoiriens qui ont fait une super CAN. Ce n'était pas des conditions de jeu faciles pour les deux équipes, il faisait très 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 chaud, apparemment il faisait 38 degrés sur le terrain. On s'est séparés au tir au but. Heureusement pour nous, l'Algérie se qualifie en demi, malheureusement pour les Ivoiriens. Ça s'arrête là, mais j'espère que vous avez aimé l'ambiance algérienne. C'est comme ça à tous les matchs, les Algériens vivent les choses avec passion. Je pense que vous le savez si vous êtes algérien ou que vous avez des amis algériens. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle équipe vous voudriez que j'aille voir jouer et que je vous fasse vivre ça dans une vidéo. Et puis, tahia l'Algérie.